Bonjour madame. Bonjour, bien. C'est Créa, comment on appelle la Daniel Créa. Daniel Créa. Oui. Vous avez fait une école de couture? Oui, je fais Ivoire Couture. Et j'étais major de ma promotion. Ivoire Couture? Et je connais bien Ivoire Couture. Voilà, j'étais major de ma promotion en 94, je suis sortie. 94. Et vous avez ouvert l'atelier depuis quand? Bon, j'ai ouvert l'atelier pas ici, j'étais à Boaki d'abord, et puis après la guerre. J'ai tout perdu, je suis venu, j'ai repris tout à zéro, et puis voilà, c'est depuis 2003 que j'ai ouvert ici. Oui, parce que tout à l'heure j'ai visité, je suis parti jusqu'à dans l'atelier, et j'ai vu tout, mais vraiment vous avez un personnel, hein. Attends, oui, je ne sais pas, c'est bien, c'est des gens qui ont été recrutés, qui ont une qualification que vous avez pris. Bon, certains, oui, j'ai un maître tailleur, et puis j'ai des piqueurs en fait. Ma façon de travailler, ce n'est pas tout le monde qui connaît, et souvent ceux qui viennent, on fait un recyclage d'abord, on fait un essai, et puis après, maintenant, ils continuent avec nous. Ouais, tu sais que... toi, là, j'ai vu votre sœur, hein, elle dit que c'est elle qui est la secrétaire. Oui, celle qui me représente quand je ne suis pas là, c'est ma secrétaire, c'est... Enfin, celle qui me remplace. Ah, c'est quoi? C'est en siphon? C'est en train de vous faire du bien? Non, c'est pas ça. Mais non, c'est la vie qui a voulu ça comme ça. C'est tout. Sinon, c'est pas une affaire de siphon. Mais bien sûr, la charité bien donnée commence par soi-même. Oui. Madame, asseyez-vous. Oui, oui. Madame, ça va un peu? Ça va. Ah, Dieu merci. Mais tiens, vous étiez à Boaké, et puis du fait de la crise, oui. Vous avez presque tout perdu, hein. Vous aviez un atelier tout là-bas? Oui, j'avais un atelier de couture. Oui. Et après la guerre, j'avais tout perdu. Je suis venue avec mon baluchon. Juste un petit baluchon. Et l'espoir dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on est déterminé, je pense que ça donne la force de pouvoir reprendre tout à zéro. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez été Miss à Oulaba, à Boaké. Oui, j'ai été à Oulaba, Boaké 2002. Oui. Et deuxième, ça remonte Côte d'Ivoire. Bravo! Et puis vous êtes une très belle femme, en toute sincérité, très 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 belle femme. Dis-moi, vous avez un homme dans votre vie? Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester comme ça sans qu'il y ait... Oui, mais... Moi, j'aime pas souvent la vie privée des gens aussi, c'est bien. Hein. C'est normal, une femme qui dit qu'elle n'a pas un homme dans sa vie, c'est que vraiment, c'est pas normal. Oui. J'ai un homme dans ma vie qui m'aime et tout, voilà, je préfère m'arrêter là. Il est beaucoup discret. Oh non, mais c'est mieux. pour le protéger, c'est mieux comme ça. Oui, oui. Et j'ai appris, et j'ai vu tout à l'heure, quand je circulais, j'ai vu des diplômes. Vous avez eu un diplôme de félicitations à un salon international à Cotonou. Et puis vous avez participé, vous avez été même invité par Mme Blaise Compaoré à Ouagadougou et tout. Maintenant, dis-moi, comment... Bon, en fait, c'est un concours à Cotonou. On a été plusieurs à partir. Et Dieu a fait que j'ai eu le premier prix. J'ai été lauréate du SICA. C'est le fait... le festival du pain africain, voilà. Mais comment Madame Blaise Compaoré a fait, puis vous êtes en contact dans son sillage? Je pense que Madame Blaise aime bien tout ce qui est traditionnel. Mmh. Et moi, je travaille beaucoup avec les pains traditionnels, avec les pois ivoiriens, baoulés et tout. Et je pense qu'à partir d'un modèle, c'est ce qui m'a été rapporté, à partir d'un modèle dans une revue qu'elle a vue, qu'elle a demandé à ce qu'on m'invite. Mmh. Voilà, dans ce cas-là que je suis parti. Donc je suppose que c'est par rapport à mon travail que je... Bravo, bravo. Tout à l'heure, j'ai vu sur une maquette, non pas une maquette, un produit fini, j'ai vu la jaquette. Vous chantez? Oui, je chantais. Je suis artiste chanteuse même depuis que je suis petite. J'étais dans un orchestre. Ah bon? J'ai appris un instrument. Ce que vous ne savez pas, mon nom c'est Jimmy Hyacinthe. Ah, ton nom c'est Jimmy Hyacinthe? Bravo. On a grandi avec lui. Il était tout le temps à la maison et tout avec mon père. En fait, c'est le cousin à mon père, mais ils étaient très amis et tout le temps. Oui. Pendant, en fait, quand il est à Abidjan, qu'il avait le temps, il était toujours là. Oui. Voilà. Et t'as dit, l'oncle étant Jimmy Hyacinthe, ça vous a donné le virus quand même d'aimer la chose. Surtout que c'était monsieur, c'était professionnel, ça je vous dis. On le regrette aujourd'hui. Oui, je l'adore, je l'adore. Je pense que c'est à partir de lui que j'ai eu envie de faire de la musique. C'est votre première œuvre que vous avez mise sur le marché? Oui, oui. Comment on appelle ça? Laisse les gens avancer. Laisse les gens avancer, c'est-à-dire des gens qui s'occupent des gens, critiquer les gens. Voilà. Les Anglais disent, when this you see, remember, be me your mind, let all the world talk what they may, as you find truth is there. Yeah. Voilà. Laisse tout ce que des gens disent, c'est-à-dire, on dit, il faut t'habiller très bien, des gens vont te critiquer. Il faut t'habiller mal, les gens vont te critiquer. Voilà. Dress in the richest robe in all. People will talk of you. Let your cloth be beautiful, Rick. People will talk of you. En tout cas, j'aime bien l'œuvre. Je l'ai écouté, mais pourquoi vous n'avez pas fait de clip encore?
C'est une question de programmation. Seul. Et bon, comme vous avez dit là, il fallait que je pense d'abord au clip avant de faire la musique, mais je pense que ça va se faire. Mais le peu que je sais, quand je passe, les gens apprécient. Alors, j'ai vu votre prestation à Miss Côte d'Ivoire, à des cérémonies, à la remise de la voiture de Miss, tout ça. Et j'ai vu vraiment la présence scénique. C'est propre, avec des danseurs, danseuses et tout cela, mais ça m'a beaucoup plu, tu vois. Je pense qu'il faut être professionnel en tout. Hein. Il ne faut pas tâtonner. C'est vrai que je fais de la couture, mais je me suis dit qu'en allant à la musique, il fallait que je monte mon professionnalisme. Alors, j'ai pris des professionnels. Les danseuses, c'est des professionnels. Elles m'ont appris à danser, à me déplacer et tout, avec l'aide de mon arrangeur aussi. Oui. Ah, Dieu merci, vraiment, je vous souhaite un très bon encadrement, un très bon agent de communication, un très bon agent d'artiste, que des gens appelaient manager, mais un très bon agent d'artiste capable d'avoir des relations bien faites, et un réseau bien outillé pour que vous allez confirmer d'abord, vous allez avoir un clip pour que ce clip-là puisse être vu un peu dans le monde entier, sur des autres télévisions en Afrique et en Côte d'Ivoire et un peu partout, parce que c'est inadmissible que des talents naissent, créent et n'arrivent pas à distribuer cela, à divulguer pour que des gens puissent voir par manque de moyens. Mais Dieu fera que ça ira. Amen. Oui. Amen. Mais je pense que avec votre conseil, oui, et votre coaching, oui, parce que j'aimerais bien, oui, je vais aller plus loin. Ok, Dieu est grand. On a presque fini notre interview. Mais ce que j'aimerais demander, Daniel Créa, quelle est la spécialité de Daniel Créa? Ben, Daniel Créa, d'abord, comme je dis, je suis styliste, modéliste, créatrice de mode. Je fais les robes de mariée, les robes de soirée, les robes de cérémonie. Je travaille beaucoup les pagnes africains et tout ce qui est vraiment design africain, c'est-à-dire les poids et tout. Tout ce qui a trait à l'Afrique, franchement, moi, j'adore. Alors, c'est ce qui fait un peu ma force, c'est ce qui me démarque un peu. Voilà. Maintenant, on peut avoir un contact.
Mais le contact, c'est oui, le... Parce qu'il y a des gens qui peuvent se trouver en Europe, ouais, qui peuvent vous appeler, yes, pour faire des créations. Yes. Ou alors il y a des personnes qui peuvent vous appeler pour des cérémonies, des prestations, pour se mettre en contact avec vous. Ouais. Oui, c'est pour ça que vraiment je veux bien votre contact. Ouais. Généralement, quand les gens demandent contact des femmes, c'est pour aller les chercher après, ouais, aller les courtiser. Je ne ferai pas ça, la vieille, je ne ferai pas ça. De manière professionnelle, je prends vos contacts devant les gens, c'est pour qu'ils vous appellent dans le cadre de votre service, ouais, et non pas dans le cadre de votre beauté. Parce que vous êtes très belle, ouais, en toute sincérité. Voilà. Merci. En fait, mon contact, c'est le 07 61 03 63. Non, on va commencer par 00225 pour que les gens sachent que c'est là. Oui, oui. C'est vrai. 00225, oui. 07 61 03 63. Mm-hmm. Et 00225, oui, 07 26 41 12. Voilà. Maintenant, mon mail, c'est danielcreation@yahoo.fr. Okay. Mon création, il est avec K. Oui, j'ai vu ça. Non, mais tout ça, ça fait partie de la création. La création ne doit pas ressembler aux autres. Et c'est ça. Oui, oui. Merci beaucoup, madame. Merci. Vraiment. Je suis très heureuse et très contente de participer à ton émission. Merci. Et j'espère que les gens vont aimer. Et grâce à toi, je sais que je serai vue partout dans le monde entier. Oui, non, les gens vont aimer. Ce que nous on fait, celui qui aime, c'est son problème. Celui qui n'aime pas aussi, c'est son problème. Chacun, c'est la liberté d'expression et d'appréciation. Mais nous sommes convaincus que les bonnes personnes et les bonnes gens vont écouter, vont aimer. Je suis très heureuse. Merci. Si tu te fais aimer par le diable, c'est pas la peine. Non, mais non, moi je veux plaire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vraiment bisous à tout le monde. Ouais. Bye. Bye bye.